Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Donae, l'émission féminine qui parle des femmes et leur donne la parole, mais où les hommes sont également les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, notre invitée, elle réunifie le nord et le sud de l'île, car originaire de Bonifacio et du Cap Corse, femme d'affaires avisée, éprise d'art et de culture, mais également fervente alliée du patrimoine, c'est Rosemary Carrega. Avec elle, nous partirons à Cisco, le village de son enfance, Cisco situé entre la mer Tyrrhénienne et la chaîne de la Serre. Et puis, nous repousserons les frontières de l'île pour découvrir les conditions de vie de femmes afghanes avec Roya, l'une d'entre elles, à travers le très beau portrait dressé par Titouan Lamazou. Vous le savez, Titouan Lamazou, navigateur et reporter, que nous retrouverons régulièrement dans cette émission. Rosemary, bonjour. Bonjour. Bonjour Rosemary, très heureuse de vous retrouver parmi nous. Je suis heureuse d'être avec vous. Alors vous le savez, Donae, ce sont des rencontres avec des femmes de tous horizons. Et puis on essaye de les connaître sur un mode un petit peu plus intime. Et c'est pour ça qu'on a fait une biographie vous concernant. Vous avez collaboré pour nous donner tous les documents dont nous avons besoin. Et je vous propose de la regarder tout de suite. On y va, on regarde. Rosemary Carrega naît à Ajaccio le 15 novembre 1940. Son père, Erasme Carrega, est avocat et sa mère, Anne-Marie Ramé, lit femme au foyer. Elle passe une enfance et une adolescence heureuse dans la cité impériale, où elle fréquente l'école Duru et le lycée Fesch. Durant les vacances d'été, elle rejoint ses grands-parents maternels dans leur maison familiale du Cap Corse à Cisco. La Villa Ramé, célèbre maison d'Américains, propriété de la famille depuis plusieurs générations. Après une formation de secrétaire, elle choisit de se marier et d'être mère au foyer auprès de ses quatre enfants. À 34 ans, une opportunité fabuleuse s'offre à elle. Elle devient secrétaire particulière et intendante du prince Al-Walid, prince saoudien, et s'envole pour Paris. C'est le début d'une carrière rythmée par l'organisation de l'agenda du prince, mais aussi par de nombreux événements divers et mondains. Au bout de 20 ans, nostalgique, elle rentre en Corse et pose définitivement ses valises à la Villa Ramé. Elle sublimera cette maison en y faisant un lieu de rencontre culturelle à travers la création de l'association Les Amis de la Villa Ramé. Une association qui s'attache à promouvoir l'art sous toutes ses formes et qui continue aujourd'hui à faire battre le cœur de cette fabuleuse maison. Une enfance heureuse, Rosemary, entourée entre Ajaccio, Cisco, les parents, les grands-parents, la mer, la plage, le soleil, les cousins, tout le monde. Oui, tout le monde. Qu'est-ce que vous en retenez de cette époque ? Vraiment aucun souci, que du bonheur, que du plaisir et beaucoup d'amour aussi. La famille, le clan ? Le clan, oui. Mm-hmm. Que faisait votre père ? Mon père a fait un tas de choses. Il a pris des études de droit, il a été directeur de théâtre à Toulon et puis ensuite il est revenu en Corse, après il s'est marié, il a épousé maman, ils ont eu 3 enfants. Et puis nous sommes allés vivre à Ajaccio après la guerre. Mmh. Voilà. Alors il faut dire quelque chose sur votre père, c'est qu'il est important dans votre vie parce qu'il est musicien, il joue du piano, il adore le jazz. Vous avez une anecdote à nous raconter à son sujet. Vous n'avez pas voulu me la dire tout à l'heure, nous la dire. Vous avez dit non, n'en parle pas, mais moi je vous prends en défaut. Vous allez nous la raconter, qu'est-ce que c'est ? Il a été directeur de théâtre à Toulon. Ouais. Et il a connu Joséphine Baker et il y a eu une petite aventure entre eux. Voilà. Oh là là, c'est pas rien ça. Ah, c'est pas rien. Donc c'est lui en tout cas qui vous a donné l'amour du jazz et de la musique, on oui, en parlera lui un petit peu. Oui, et ses frères aussi, ma grand-mère aussi jouait du piano, tout le monde. Mm-hmm. Tout le monde était pianiste, peintre, il y avait des artistes partout. Des artistes, oui. Je n'ai hérité de rien. Vous avez hérité en fait de ça, parce que l'art, la culture, vous avez baigné dedans toute votre oui. vie. Alors, on va passer un petit peu vite. Vous vous mariez à 20 ans, vous faites des études de secrétariat, vous avez 4 enfants, vous travaillez chez Lançon. Ici à Bastia. Hein. Comment vous avez vécu cette période, vie professionnelle, vie de femme, vie de mère ? Ben, j'étais très aidée par ma mère, puisque nous vivions ensemble chez mon grand-père. Et c'était relativement facile. Et puis on travaillait en famille chez les Lançons, donc il n'y avait pas de gros soucis. Vous nous disiez également, on était exploité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Exploité, on se bagarrait toujours, on n'était pas assez payé, on respectait tout le temps et on se faisait engueuler systématiquement. Chez Mais Lançon, ça faisait ça. Partie du jeu. C'était facile à gérer votre vie. Vous aviez 4 enfants quand même. Hein. Il y avait ma mère. Oui. C'était l'époque encore vraiment où il y avait ce clan familial. Absolument, en Corse, absolument. Hein. Tout le monde était là. Oui. À 34 ans, vous vous séparez. Oui.
Et puis surtout, vous faites une rencontre, la rencontre de l'ami, du mari de votre amie qui vous dit « moi j'ai une opportunité pour toi ». Racontez-nous cette épopée. Là, vous allez partir rencontrer le prince Al-Walid. Lui était chauffeur de grande remise, c'est-à-dire que comme il parlait plusieurs langues, il servait de chauffeur à des personnalités. Il me dit « j'ai un prince saoudien qui cherche quelqu'un pour gérer son appartement de l'avenue Foch qui va être terminé ». Est-ce que ça te dit? J'ai dit oui. Il me dit, alors tu vas rencontrer le Libanais de service à l'hôtel Georges V. Je le rencontre. Il m'a dit, tu parles anglais? Oui. Tu as fait ça toute ta vie? J'ai fait ça toute ma vie. Et j'ai été embauchée. Vous avez été embauchée? Sur un mensonge. Mais qui s'est avéré positif, puisque ça s'est très, très bien passé pendant 20 ans. Alors, comment donc on se retrouve, vous vous retrouvez de Corse à Paris, comme ça, sur un claquement de doigts, on peut dire. Vous avez eu le culot de vous lancer. Hein. Oui. Et puis, quelques années plus tard, après cette période de mondanité très riche culturellement, vous organisez des événementiels, vous rentrez en Corse. Pourquoi? Quel a été le déclencheur? Il y a peut-être le ras-le-bol, puis aussi votre fille. Le ras-le-bol, surtout parce que les caprices, ça fait rire à un moment, et puis à un moment, on en a marre. On en a marre. Et puis, je rentre en Corse en vacances, et puis ma fille tombe malade. Donc là, ça a été une raison supplémentaire de rester. Voilà. Tombe malade, elle a un cancer. Elle a un cancer, et ça a duré un an et demi. Et avec ma fille et puis mes fils, nous l'avons entourée le mieux possible. Elle avait un petit garçon de 6 ans, donc voilà. Donc vous rentrez en Corse. Puis il y a également le ras-le-bol dont vous nous parliez de Paris. L'anecdote attachée justement au fait que vous avez quitté le prince Al-Walid. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été aussi ce déclencheur? Le prince Al-Walid, lui, je ne l'ai pas quitté. C'est-à-dire je l'ai quitté en quelque sorte parce qu'il vend son appartement à un autre prince qui me fait une surenchère de salaire. Donc je reste dans l'appartement, mais plus avec Al-Walid, avec le beau-frère du roi Fahd. D'accord. Du roi. Et là, ça a été autre chose. C'était plus du tout la même. C'est pas la famille royale. C'était, ça avait rien à voir. Et lui partait du principe que c'est pas à peine nous payer, puis c'était un honneur de travailler pour lui. Alors j'ai dit à mon frère, écoute, tu viens avec la voiture. J'ai pris tous les dossiers dans le bureau. J'ai rempli la voiture et j'ai dit, mon frère, tu t'en vas. Et quand le secrétaire est arrivé le lendemain, il m'a dit, mais il y a plus rien. J'ai dit non. Ça reviendra quand je serai payé. Il m'a dit, mais c'est des méthodes de mafieux. J'étais avec des truands, on est des mafieux. Et le lendemain, j'étais payé et je n'ai rendu que la moitié des dossiers. Avisé, on le disait. Voilà. En tout cas, vous vous êtes affirmé. Hein. Oui. La femme corse était là. Absolument. Et bien là. Ils ont compris. Alors, Rosemary, on va retourner en Corse, revenir en Corse. On va parler du village, de votre village, Cisco. Oui. Un village qui compte 19 hameaux, on va le préciser. On le regarde, un reportage tout de suite avec vous et on se retrouve juste après. D'accord. Nous sommes ici au hameau de Chios, qui est un hameau cher à mon cœur, pour la bonne raison qu'il y a la maison Ramélie d'abord où je vis, et puis où il y a la maison Gaspari, la première maison Gaspari, chère à mon cœur, parce que c'est la maison d'origine des Gaspari, d'où ils sont partis au Venezuela et où nous nous retrouvons les étés. Ici, on est au hameau de Munagadia. Cette tour carrée qui appartenait à la sœur de mon grand-père. Et on a des souvenirs fabuleux d'enfance, de goûter, de jeux et même d'engueulades hein, aussi. Entre cousins, c'était formidable. Maintenant, on arrive à l'entrée principale de la maison, qui est la seule des maisons d'Américains qui soit peinte à l'extérieur, comme ça. C'est ma maison de famille. J'ai passé toute mon enfance avec mes cousins, mes grands-parents. Eh bien, elle est en passe d'être restaurée. Et peut-être que je connaîtrai un jour cette loggia impeccable.
Marie-Pierre. Cette auto, je l'adore parce que c'était à Havre, chez Maggie. Et il jouait à la canasse tous les soirs, mais lui, il trichait à la marque. Et quand il devait marquer, maman le surveillait parce qu'elle savait qu'il gagnait tout le temps. C'était pas possible, tu comprends? Ouais, mais il avait le petit sourire en coin, là. Et lui, il avait le sourire en coin, mais elle, l'œil storto, parce qu'elle le surveillait. Un peu comme le tien, hein, de temps en temps. Tu as fini d'accrocher les tableaux dans le... Il m'en reste quelques-uns. Bah, tu veux que je te montre ce que j'ai, oui, fait déjà? Oui. Bon, allez, viens. Est-ce qu'il est droit comme ça? Attends, il faudrait que je me mette là-bas. Je pense pas qu'il le soit. Non, je vais tenir. Ça va. Allez, au suivant. J'ai perdu le crochet. Ah, t'es mal, hein? Non, je suis pas mal, mais par exemple, si c'était comme ça. Parce que si je le mets ici, ça va toucher le même dedans. Alors, il faut le décaler complètement sur la droite. Décaler celui-ci. Celui-là, cette villa Ramelli, c'est vraiment votre ancrage. Elle est au hameau de Chioso, hein, puisque on le disait tout à l'heure, Cisco, c'est un village qui est composé de 19 hameaux, c'est énorme. Il y a 19 hameaux et 3 lieux-dits, je crois. Si on en citait quelques-uns, il y aurait lesquels, par exemple? Teddy, Crociano, Figaia, Torrezza, Barigioni, Monagagne. On va y aller. Il y a également des petits villages comme Teddy qui sont, au flanc de la, sur le flanc de la colline. Ça, c'est un village qui est particulier parce qu'il a été détruit par les fourmis rouges au XIVe siècle et il a été reconstruit un peu plus haut par les villageois. C'est pas sa position d'origine. Et une influence moyenâgeuse partout. Oui, partout. Il y a des vestiges partout. Hein. Alors, on le disait, la Villa Ramelli, c'était votre enfance, cette influence avec vos grands-parents, tout ça, c'était le cœur. L'art est toujours présent. C'est également une maison maçonnique. C'est une maison qui a été construite par un maçon, puisque mon l'arrière-grand-père de l'oncle de mon arrière-grand-mère était maçon. Il a construit la maison avec un temple, pas avec une chapelle. Et donc, elle est pleine de signes. Pleine de signes maçonniques. Oui. Alors, il faut revenir au 19e siècle, à l'époque aussi de la construction de la villa. C'est Santos Gas, Paris, qui était votre grand-grand-oncle. C'est l'oncle de mon arrière-grand-mère. L'oncle de votre arrière-grand-mère, hein, Santos Gas, Paris, qui lui était médecin, qui part au Venezuela, qui s'expatrie comme bon nombre de Cap-Corsins à l'époque, au 19e siècle en tout cas, qui est député là-bas, qui fait une grande carrière et ensuite qui revient. Racontez-nous un petit peu son histoire. Lui, il était médecin, il part avec deux de ses frères et il se lance dans la politique. Il devient député de Ciudad Bolívar et gouverneur du Guyana. Et puis, ils achètent un comptoir à La Guaira. Et là, ils ont fait pas mal d'argent. Et quand il a voulu revenir en 55 chez lui, je crois qu'il voulait venir pour y mourir, quoi, ils sont revenus avec une somme d'argent colossale. Et là, étant un humaniste à l'époque, il a participé à la construction de l'hôpital de Bastia, le premier hôpital. L'hôpital de Togg, hein. De Togg, ça fait que tous les 9 mars, on avait droit à la messe. Il n'était pas seul, je crois qu'il était avec Émile Sarr. Émile Sarr. Et tous les 9 mars, l'anniversaire de sa mort, on avait droit à une messe. Une messe tous les 9 mars pour célébrer cet homme et puis la fondation de tout ce qu'il a créé. C'était un mécène, hein, finalement. Voilà. Il a fait des routes, il a fait des fontaines, il a créé. Il avait même dans l'idée de faire un chemin de fer qui traverse le Cap Corse. La mairie a les plans de ça. Qu'est-ce qui vous en reste, vous, dans votre histoire familiale de cette épopée vénézuélienne, de cette épopée aux Amériques? J'y vis. J'y vis tous les jours. Vous viviez dans la maison, oui, avec tous ces souvenirs. À tout ça, oui, complètement. J'y vis, et puis comme il y a de nombreux visiteurs, on raconte l'histoire tous les jours, et puis voilà. Alors c'est vrai que la Villa Gaspari Ramelli se visite. C'est un endroit où l'art s'expose sous toutes ses formes. Et vous y tenez, vous défendez ce patrimoine. En tant que patrimoine, elle est ouverte au public. Et en lieu de exposition, puisqu'on expose des peintres, des sculpteurs, des photographes, qu'il y a des concerts et des conférences tous les mois. Conférences tous les mois, bien sûr. Ça, c'est toute l'année. Oui, toute l'année. Vous êtes également donc à la tête de l'association. Oui. Hein, qui s'appelle 3 points et plus de rencontres culturelles.
Les Amis de la Villa Ramil. Ce titre, dernier titre, a été donné par l'UNESCO. Parce que vous figurez sur le catalogue. Je figure sur le 10e catalogue de l'UNESCO. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie qu'elle devienne, cette maison? Qu'est-ce que vous avez envie pour l'avenir? Moi, je voudrais d'abord qu'elle soit restaurée comme on me l'a promis. Je pense que c'est dans bonne voie. Puis je voudrais que mes enfants continuent après. Ça, je ne sais pas. Vos enfants, vos petits-enfants? Oui. Hein, on espère en tout cas. Oui, je crois qu'ils vous écoutent, ils vous entendent. J'espère. Alors Rosemary, après la Corse, l'évasion, le voyage, celui-ci ne nous fait pas forcément rêver puisque nous partons en Afghanistan, mais on va en apprendre beaucoup sur les conditions de vie des femmes afghanes à travers le portrait de l'une d'entre elles, Roya. On regarde, on se retrouve juste après. Bien qu'il faille se garder de l'a priori ethnocentrique, je craignais quelques difficultés frisant la provocation avec mon projet de réaliser des portraits de femmes en Afghanistan. Il s'avéra plus aisé de convaincre des veuves de poser pour moi. Et les veuves, ce n'est pas ça qui manquait là-bas. À Kaboul, Roya fut la première à accepter de me recevoir chez elle. Qu'est-ce que je peux vous raconter de ma vie? Je n'ai pas de vie. Mon mari était commerçant. Ses affaires marchaient bien, puis la guerre est arrivée jusqu'à Savaï, Rudja, là où on a habité. Sa vie a complètement basculé, ses magasins ont été pillés, il a tout perdu. C'était après la guerre des Russes? C'était à l'époque des Moudjahidines. Il a dû partir faire son service militaire, il détestait ça. On était mariés, son affectation était très loin d'ici. Du coup, il a fini par déserter. Malheureusement, le destin a voulu qu'une roquette tombe sur notre maison. J'ai été blessée, lui aussi, très gravement. Il n'est pas mort tout de suite. Il avait des éclats d'obus dans le cou et il a succombé 3 jours après. Depuis, j'ai très peur des roquettes. Je suis complètement traumatisée. Hier, quand un char est passé, je me suis dit qu'il allait pointer son canon sur moi, me viser et me tirer dessus. C'est de ça dont j'ai le plus peur. Juste sur les épaules. Est-ce qu'elle peut s'asseoir là, comme ça, au soleil là? J'ai été obligée de partir vivre chez mon beau-père pendant 1, 2 ou 3 ans, je ne sais plus trop. Mais je n'avais pas du tout envie de rester avec eux car on ne s'entendait pas. La situation était insupportable, surtout avec mon beau-frère. Parce que pour eux, dans leur tête, comme j'habitais chez eux, je devais devenir sa femme. Mais moi, je refusais, je ne voulais pas de ce mariage. J'ai fini par trouver un emploi chez Save the Children. Mais lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir, j'ai été forcée de rester à la maison. Je ne suis pas heureuse. Je n'ai pas de chez moi, pas de maison à moi. En tant que femme, c'est très dur. Je préférerais mourir que de continuer à vivre comme ça. C'est pas une vie. Alors Rosemary, Roya, elle le dit à la fin du reportage, donc elle est afghane, elle porte la burqa, elle n'est pas heureuse, c'est pas une vie. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette violence faite aux femmes dans ce pays? Dans ce pays, je ne connais pas du tout ce pays, je ne connais pas du tout les Afghans. Mais à travers ce que vous voyez du reportage? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, elles n'ont qu'à se révolter. Je pense qu'elles feraient une révolution. Peut-être qu'elles y arriveraient si elles voulaient. Est-ce qu'elles ont les moyens de se révolter? Si on veut, on peut, je pense. Je pense. Mais moi, je ne veux pas faire de comparaison avec les Saoudiennes. Ça n'a rien à voir. Rien, parce que j'ai discuté avec ces femmes et elles trouvent que,
que moi, je suis une imbécile de vivre sans protection et seule, qu'elles, elles ont tout. Elles sont très heureuses. Vous avez les deux côtés des choses, le côté occidental poussé à l'extrême avec les femmes du prince Al-Walid que vous avez côtoyé. Oui. Donc, votre vision à vous n'est pas du tout la même que, que la leur. Et elles sont, vous dites, elles sont très bien. Elles me disent qu'elles sont très bien. Ouais. Elles me disent, mais pourquoi tu veux qu'on change ? Alors, ne changez pas, restez comme vous êtes et tout. Mais c'est leur façon de vivre. Elles ont vécu depuis tout le temps comme ça. Il y en a maintenant, il y a une évolution quand même. Je dois dire qu'il y en a qui font des études, et il y en a qui sont professeurs et tout quand même, qui ont droit. Mais elles ne frayent pas avec les garçons. Les filles sont d'un côté et les garçons de l'autre, partout. Donc ça, c'est la culture, bien sûr. Ça, c'est leur culture. Mais le fait, donc Roya le disait dans le reportage, le fait d'être obligé de porter un voile, de porter cette burqa, qui n'est pas un voile, où la femme est complètement cachée, où finalement, elle n'a pas le choix, parce que tout est dans une question de choix. C'est ça qui peut poser problème. Elle n'a pas le choix dehors, mais chez elle fait ce qu'elle veut. Elle l'enlève, elle vit en chemise de nuit, elle vit comme elle veut. C'est dehors, il ne faut pas qu'elle monte, qu'elle se monte, c'est tout. Et puis c'est assez valorisant, je trouve, parce qu'il n'y a pas de différence entre les femmes, il n'y a pas de laide, de maigre, de grosse, tout le monde a la même allure et puis ce n'est pas plus mal. Vous, de par votre expérience personnelle, quels étaient les rapports justement entre les deux sexes lorsque vous étiez... Entre les deux sexes ? Oui. Il n'y avait pas. Quand les femmes étaient à l'appartement, les hommes étaient à l'hôtel. Ils n'étaient jamais ensemble. Jamais. Alors si par exemple, on parle beaucoup ça évoque une question de liberté personnelle chez la femme peut-elle avoir le choix, peut-elle choisir sa vie ? Apparemment non, mais vous me dites le contraire, pourquoi ? Mais parce que je les ai vus vivre, c'est leur choix de vie, c'est leur choix, c'est pas le vôtre, c'est le leur. On ne le voit pas avec les mêmes yeux. Mais si par exemple une femme a envie de tomber amoureuse, elle est d'un autre homme, dans ses sociétés... Elle court le risque d'être lapidée en place publique ou d'être noyée dans une piscine. Est-ce que c'est normal, selon vous ? Moi, je ne trouve pas ça normal, mais pour elle, je trouve ça normal. Parce que c'est leur vie, elles savent ce qu'elles courent quand elles trompent leur mari. Mais dans l'autre sens, ça ne se vérifie pas ? Non. C'est là la pierre angulaire du sujet, peut-être. C'est-à-dire que l'homme qui... je pense qu'ils peuvent se faire égorger. Parce qu'il y en a qui se font égorger quand ils vont avec une femme qui est mariée. On les égorge. C'est-à-dire qu'il y a deux hommes qui arrivent, il y en a un qui pique les fesses. Et quand il tord le cou en arrière, on lui coupe la gorge. Bon. Et ça se fait en place publique aussi, pour un homme qui trompe sa femme. Non, le voleur, on lui coupe la main aussi. Donc une autre culture. Donc il n'y a pas de voleur. Voilà, exactement. On n'a pas le temps pas assez de temps pour en discuter. Mais en tout cas, vous avez côtoyé cette culture dans laquelle vous êtes également épanouie. Pas de soucis. Oui, c'est très bien, oui. Alors vous savez, dans cette émission, on s'attache également à promouvoir des femmes et à mettre en valeur d'autres femmes, des femmes connues, des femmes qui sont un petit peu des icônes. Et vous en avez choisi une. C'est qui ? Alors, c'est Ella Fitzgerald, mais je voudrais... pas qu'on me... C'est-à-dire, j'aurais pu choisir Marie Curie, j'aurais pu choisir des femmes beaucoup plus importantes. Et moi, elle a bercé mon enfance avec le jazz, parce que mon père était un amateur de jazz, et j'entendais Ella Fitzgerald, Irving Berlin, Gershwin, tout le temps. Et ça m'a fasciné. Ça vous a fasciné ? Ben, c'est pour ça que j'aime Ella Fitzgerald. Mais je trouve qu'il y a des femmes... beaucoup plus admirable dans d'autres domaines dans le monde. C'est l'une des grandes voix, c'est la grande voix absolument, de jazz du XXe siècle, avec trois octaves, une pureté incroyable, une grande faculté d'improvisation également. S'il y avait un titre que vous retiendrez, ce serait lequel ? Tous. Tous ? Vraiment, je ne me mouille pas, non, tous. Bon, une triste fin pour Ella Fitzgerald, dans le rappel aux téléspectateurs qui nous regardent. Elle était diabétique et puis on lui a sectionné les deux jambes, fini aveugle, décédée en 1996. J'aimerais qu'on reparle maintenant, puisque c'est la fin de cette émission, Rosemary, déjà, qu'on reparle de la Villa Ramelli, de ce que vous y faites, de l'association. On le rappelle pour les téléspectateurs qui nous regardent. L'association s'appelle 3 points et plus de rencontres culturelles, les amis de la Villa Ramelli. Les coordonnées s'affichent à l'antenne. À venir pour les mois qui viennent, à partir de 2019. Le 27
Il y a une conférence de Philippe Perfettini qui dirige les journées napoléoniennes de la ville d'Ajaccio. Pour l'hiver prochain, pour l'hiver, le printemps, l'été prochain. On a des expositions, mais je n'ai pas encore de sujet de conférence, mais j'en ai quelques-uns en tête quand même. En tout cas, on peut se... Là, en novembre, il y a déjà les jeunesses musicales de Méditerranée. On peut se connecter au site. Oui, bien sûr. Et avoir toutes les informations. Il sera tout à jour pour le temps. Merci Rosemary. Merci Francesca. On vous recevra avec plaisir de nouveau sur ce plateau, peut-être ailleurs. Merci. Et puis moi je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite bien entendu à aller sur le site de la Villa Ramil. Vous allez découvrir plein de choses et à vous rendre dans cette très belle maison d'Américains qui est à Cisco, dans le Cap Corse. Merci Rosemary. Merci Francesca. Thank you.